Bonjour à tous, je suis Margot du blog youmakefashion.fr. J'avais envie de vous donner quelques astuces pour revisiter le célèbre bougeoir italien. Pour commencer, je vais prendre une bouteille de vin, donc je l'ai recyclée, et je vais bien la nettoyer à l'intérieur pour qu'il n'y ait plus aucune odeur, et surtout je vais enlever toutes les étiquettes. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la décorer un petit peu pour changer un peu, et je vais utiliser du scotch de peintre pour délimiter la zone que je veux décorer, et je vais la peindre avec de la bombe. J'ai protégé toute la zone que je ne veux pas peindre, donc là je vais utiliser ma bombe de peinture. Surtout, faites ça à l'extérieur, ça peut vraiment abîmer votre intérieur. Moi, je vais juste aller à ma fenêtre. Pendant que la peinture sèche, moi je vais faire une tresse avec du raffia. Je crée trois brins de la même longueur. Ma petite astuce pour m'aider, c'est d'utiliser un petit bout de scotch sur ma table pour tenir les raffias ensemble et m'aider pour tresser. J'ai fait un deuxième nœud pour terminer la tresse et vous voyez, je n'ai pas vraiment serré la tresse pour vraiment qu'elle soit bien plate. 10 minutes suffisent, du coup, je peux enlever le scotch. Pour continuer la décoration de ma bouteille, je vais installer la tresse tout autour du goulot. Je n'ai plus qu'à tailler ma bougie, donc en fait, on va dire qu'il faudrait qu'elle dépasse de 10 cm vers ici. J'ai plus qu'à découper tout ça au couteau et ça, il va falloir le tailler pour que ça rentre à l'intérieur. La dernière étape est d'allumer la bougie pour que la cire coule sur toute la bouteille et lui donne un côté plus romantique. Je vais maintenant la poser dans un coin pour qu'elle se consume et je pense que ça va vraiment donner un effet la belle et le clochard. Et voici le résultat après quelques heures. On retrouve vraiment la bougie qui est en centre de table dans les restaurants italiens, mais peut-être une version un petit peu plus moderne. J'ai utilisé une bougie fluo et j'ai customisé la bouteille. Vous avez maintenant toutes les astuces pour créer la même bougie, le même bougeoir customisé. Et si vous voulez retrouver plus de vidéos déco, abonnez-vous à la chaîne Minute Déco ou sur mon blog youmakefashion.fr.